Cui, cui, l'oiseau chante, sa mélodie nous enchante. Vous m'avez l'air de très bonne humeur. Bonjour Gordon, on a inventé une chanson avec Nia et ce petit oiseau. Eh bien, si vous aimez les oiseaux chanteurs, je suis sûr que vous aimerez entendre le chant de tous les oiseaux près du sanctuaire de la nature. Et en plus, ça tombe bien, nous construisons une nouvelle voie qui traverse la zone. Un sanctuaire de la nature? Eh oui, c'est un endroit où on peut observer des animaux en pleine nature. Il y a des lapins? J'espère qu'on verra des lapins. Oui, c'est possible. En route, les petites locos, c'est l'heure de l'école des trains. L'école des trains, l'école des trains, on apprend et on s'amuse bien. Toutes les locos chantent ce refrain, y'a Thomas, Percy, Nia, ouais. Qu'apprendra-t-on ce matin? Diesel, les canards sont très malins. L'école des trains, l'école des trains, qu'apprendra-t-on ce matin? Je parie qu'on pourra voir plein de cerfs avec des bois immenses. Je me demande si je trouverai d'autres oiseaux. Des geais bleus par exemple. Oh, oh, on peut jouer à je regarde autour de moi et voir combien de lapins, d'animaux on peut trouver. Je regarde autour de moi et je vois. Oh, oh. Bienvenue sur notre nouvelle voie au cœur de la nature. Waouh, c'est magnifique. Où sont les oiseaux? Et où sont les lapins? Y a des lapins? Oh, alors c'est à ça que ça ressemble un sanctuaire de la nature? Oh, oh, je regarde autour de moi et je vois. Oh. Je regarde autour de moi et je vois des rails tout neufs. La voie est toute tracée pour Diesel l'éclair. Je fonce! Stop! Wow! 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 Oh, mais je voulais seulement tester la nouvelle voie ferrée. Les animaux qui vivent dans le sanctuaire de la nature peuvent être effrayés ou blessés si on va trop vite. Il faut qu'on soit respectueux envers eux et qu'on avance doucement. Je comprends. Mais avancer doucement, ce n'est pas drôle du tout. Pas vrai, les amis? Les amis? Je regarde autour de moi et je vois quelque chose de jaune et trop mignon. Très bien, il est temps de reprendre notre route. Tout doucement, faites attention à ne pas les déranger. Oh, oh non! Le bébé canard a la patte coincée dans les rails. Il pourrait se blesser. Nia a raison, et c'est très dangereux de circuler sur la voie tant qu'il y est coincé. Nous devons aider ce caneton. Ne t'en fais pas, Nia. On va régler ce problème à toute vapeur. Oh, oh, on n'a qu'à lui dire de voler pour passer par-dessus. Coucou, petit canard. Il faut que tu agites tes ailes. Et tu vas t'envoler. J'ai une idée. On peut peut-être l'aider à décoincer sa patte avec un petit coup de vapeur. Attention, Thomas, n'y va pas trop fort avec la vapeur. Oh, j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Vous avez vu ça? Hé, Diesel, quand tu es retombé, ça a fait trembler les rails. Et le petit canard a réussi à bouger un peu plus. Vas-y, recommence, Diesel. D'accord, si vous êtes sûr de vous. De rien, petit canard. Félicitations, les locos. Eh ben moi, j'espère qu'il ne se coincera plus dans les rails. Oh non! Et si jamais il se coince encore la patte et qu'on n'est pas là pour l'aider? Il doit forcément exister un moyen pour que les animaux traversent les rails en toute sécurité. Je crois que j'ai une idée. Oui! Maintenant, les canards et tous les autres animaux peuvent traverser sans avoir peur et sans se blesser. Tu as eu une très bonne idée, Nia. Et la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'on fait toujours ce qui est juste quand on est bienveillant envers les autres.